j'aimerais beaucoup vous parler avec Nathalie, mais je pense que dans le scénario même, il y avait cette chose avec cette mère morte en bas âge et ce père qui perd la mémoire. Donc ce truc d'une perte qu'on n'a pas pu retenir et d'une seconde perte qu'on ne peut pas retenir parce qu'elle est inévitable, parce qu'elle est de l'ordre de la dégénérescence du cerveau. Donc je pense que ces deux pertes qu'elle n'a pas pu retenir sont des moteurs, sans aller dans une grande analyse psychanalytique du personnage, pour sa peur de l'attachement. Donc pour éviter les pertes subséquentes, elle ne retient plus rien. Donc c'était mon analyse un peu primaire de la lecture du scénario. Ensuite, on a beaucoup discuté, Nathalie a rencontré des escortes, a rencontré des mères. Évidemment, je me suis beaucoup nourrie de ses recherches. Et puis, j'ai puisé aussi en moi, sans être complètement le personnage, il y a des choses auxquelles on peut s'identifier. Donc voilà. Je vous ai trouvé formidable. Nous allons faire un public. Est-ce qu'on a une question au public? Oui. Je vais essayer en français, mais je suis dans l'inverse, donc je parle pas. Non, mais c'est pour Evelyne, donc. Je vais essayer pour toi. C'était comment de travailler avec le petit garçon, parce qu'il est vraiment talenté, et il est vraiment très, très fou et très drôle. C'était comment? C'est le roi du monde, cet enfant, parce que... D'abord, il faut faire honneur à ce qu'il est, c'est-à-dire une espèce de boule de joie. Un vrai acteur, quoi, jamais en train de se plaindre. Il faisait des journées de 14 heures jusqu'à minuit, des émotions très difficiles à aller chercher. Son coach, Rémi, a beaucoup participé à son engagement par rapport au film. Pour un petit bonhomme de 5 ans, c'est immense. Mais moi, sa passion, puis son absence totale de désengagement était, je veux dire, tellement... exemplaire que je pouvais juste suivre. Et il y avait aussi le truc que Nathalie a installé avec son directeur photo, Frank Van Den Eden, qui est formidable, vous avez remarqué, qui était ce mot de code qui était docu. Donc docu, ça voulait dire on commence à tourner. Donc au lieu de dire 1, 2, 3, action, et là la fiction est en scission avec la réalité, le mot docu faisait que la réalité et la fiction étaient en lente transition. Donc toute l'équipe était prête à ce que la fiction naisse d'un moment où un autre. Donc des fois le petit faisait quelque chose d'intéressant, on disait docu, puis la scène naissait d'elle-même. Ça c'est le talent de Nathalie de percevoir la spontanéité aussi de ce jeune homme. Et pour moi ça n'a pas été un challenge, au contraire ça a été une source de une nourriture constante. Dus nog eventjes vertalen, want dat vind ik wel fantastisch eigenlijk. Dus omdat een kind met een kinderen is niet gemakkelijk en het kind heeft heel veel van zich gegeven, ik probeer de rost om te houden. Maar het is soms moeilijk om te zeggen, 1, 2, 3, actie, dat het kind opeens moest spelen. Dus hadden ze een codewoord, dat was docu. En als het kind iets interessant aan het doen was, dan zeiden ze gewoon docu. En dan bleef het kind spelen, eigenlijk. Gewoon spelen zoals een kind speelt, zichzelf zijn, ja. En dan kon iedereen daar rond iets doen. En op die manier werd de realiteit zo stilletjes aan de fictie die we aan het... Je crois que j'ai encore vu une question, je pense que ce sera la dernière pour ce soir là-bas. C'était la même en fait. C'était la même question. Eh bien, on va aller boire un verre? Mais oui. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié le film, allez sur vos réseaux sociaux, écrivez un petit mot, ce qu'il y a écrit sur, als je een IMDb account hebt, schrijf er zoveel mogelijk sterren aan, want ce sont des kleine films. Des petits films qui n'ont pas un gros budget de promotion, dis-moi si je me trompe, et c'est le bouche à oreille qui va faire la différence. Donc si vous avez envie que ce film soit vu, ben, parlez entre vous, écrivez un maximum sur vos réseaux sociaux, dans vos Twitter, envoyez vos amis, votre famille. Good. Thank you.